Moi, je suis là chaque fois, elle peut pas, j'attends le dodo. Il n'y a pas, c'est fini. C'est ma famille. Et si c'est ton nom? Je parle, tu parles encore. Voisine, comment tu vas? Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Tu es la nouvelle femme de mon voisin. J'ai vu, tu as amené tes bagages là hier. Moi, je suis célibataire. Sinon, moi-même là, souvent, j'ai les filles. Et souvent, quand tu prépares la sauce là, il faut me dire, je veux préparer la pâte. Tu vas me donner un peu de sauce. Ok. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. On est des voisins, voisins. Pourquoi ils nous courent? Ah, voisin. Oui, hey, voisin. C'est comment? Ça va. C'est ta nouvelle femme? Oui, c'est ma femme. Je peux te voir une essence, s'il te plaît? Oui. Chérie, qu'est-ce que tu fais avec le voisin? Discuter juste. Oh, non. Je ne veux pas te voir avec lui. C'est un malhonnête. C'est un con. Je ne veux plus jamais te voir avec lui. Je suis. Depuis que moi, je suis dans la maison, on n'est pas des amis. On se voit juste au dehors. On se dit des bonjours, bonsoir. Et si tu ne me fréquentes pas, comment tu sais qu'il est malhonnête? Je dis de ne pas être son ami, de ne pas causer avec lui. Chérie, comment tu peux dire ça? Si quelque chose nous arrivait. Moi, quelque chose peut m'arriver. Si quelque chose devait nous arriver dans cette maison-là, que ce ne soit jamais lui, notre sauveur. Celui-là, il ne peut rien. D'abord, il n'a rien. Comment il va nous aider? Au pire des cas, là, si quelque chose devait nous arriver là, tu appelles ma tante qui apporte nouveau. Elle peut quitter là-bas et venir ici, gérer le problème. Ok, j'ai compris. Prends ta nourriture, viens manger à l'intérieur. Ah, voisine, et quand tu vas faire la sauce là, moi je ne mange pas beaucoup de piment, hein. Donc il ne faut pas mettre beaucoup de piment. D'accord. Bonjour voisine. Bonjour. Je suis en train de faire mon yo là, et j'ai manqué un peu de sel quoi. Si tu as un peu de sel là, s'il te plaît, faut me donner. Ok. Merci. J'arrive. Le gars, elle est en forme. Chérie, tu vas voir avec ça. Le voisin qui a demandé un peu de sel, je vais lui donner. Non. Faut lui dire à part. Je t'ai déjà refusé ça. Mais bébé. Non. Faut lui dire à part. Je pensais qu'on est là. Il y a pas, c'est fini. Même plastique là, il ne peut pas avoir pour mettre de l'eau. C'est fini. Il n'y a pas. Tu as un peu d'oignon? Non. Ah. Bah, désolé. Je vais aller au pont, mes amis. C'est pas grave. Voisin, s'il te plaît. Voisin, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la maison. Quoi ça? Toi, ta femme, quand elle était venue, on parlait bien, on riait bien dans la maison. Donc, je ne sais pas ce que je l'ai fait. Elle a changé complètement. Ma femme, là? Elle a complètement changé. Et depuis, elle est là, elle n'a jamais préparé pour me donner à manger. La fille, là, elle est comme ça. Hein. Moi-même, je ne comprends pas. Hein. Yeah comment, hein? Elle ne fait pas les œuvres humanitaires. J'ai trop de soucis de ça. Comment on peut être ensemble? Moi, je suis là, chaque fois, elle ne peut pas. J'attends le dodeur. Quand elle ne peut pas, là, mais elle n'a jamais dit, voisin, prends quelque chose et manger. C'est pas bien. Elle est comme ça. Mais elle a jamais dit, elle est comme ça. Bon, moi je vais regarder le match au stade. Toi tu ne veux pas venir? Non, actuellement là, j'ai un souci de ta femme là. Ce qu'elle fait avec moi dans la maison là, ça me donne trop de soucis. Ah ok, tu crois que ça va aller? Bon, à tout à l'heure. Ma fille, moi je vais demander à rentrer. Déjà? Oui. Okay. Venez à la maison, hein. Venez voir la famille. Hein. C'est pas ce que vous faites ici là. Vous êtes cassé ici depuis, vous ne pouvez pas venir voir la famille. C'est pas bien, venez voir la famille. D'accord? Oui. Ok, merci. Okay. Bonsoir, mon petit beau-père. Oui, bonsoir. Ah, vous êtes venu nous rendre visite? Oui, depuis jusqu'à je rentre déjà. Ah, ok. Ok, au revoir. Hein. Merci. Il est venu chercher quoi ici? Mais j'ai il est venu nous rendre visite. Non? Comment elle est? Depuis que toi tu es ici, là, tu as déjà vu un membre de ma famille venir ici me rendre visite? Ou bien un quelconque ami venir ici me rendre visite? Mais chérie, c'est mon oncle, c'est ma famille. Et si c'est ton oncle? Je parle, tu parles encore. Et si c'est ton oncle? Il a le droit de venir chez moi à n'importe quel moment. Bébé. Bébé, tu as quoi? Mais peine-moi! Bébé. 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 Bébé.
Bébé, John, bébé, bébé, parle-moi, s'il te plaît. J'appelle qui? Une ambulance. Ok, mais s'il te plaît, redresse-toi d'abord, s'il te plaît. Bébé. Doucement, doucement. Ah, Seigneur, fais quoi ça là? Hey, Jésus, mon téléphone. Mon téléphone. Bébé, bébé, bébé. Mon ambulance. Hey, Seigneur. Hey, ça ne sonne pas. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Je vais faire comment? On ne le souhaite pas, mais s'il arrivait que j'ai un souci là, ne demande jamais son aide, s'il te plaît. Appelle ma tante. Allô? Oui, bonjour, tante. Tante, ici. Il a quoi? Il est où? Il est là. Tu as quoi? Tu lui as donné quoi à manger? Confie, confie mon cousin. Ok, mais c'est difficilement, j'ai trouvé Zemi pour venir ici maintenant. Et on va faire comment? On ne trouve pas Zemi ici. Ah, mais si je savais, j'allais laisser le Zemi. Il allait attendre pour le prendre. Je vais Kofi, essayer d'aller trouver un mon Zemi. Mon cousin, tu vas faire comment maintenant? Mais la fille, elle est passée où depuis? Ah, non, tu es là, tu n'as pas trouvé non, le Zemi. Mais comment on va faire maintenant? C'est parce que tonton. Bonsoir, tonton. Oui, s'il vous plaît, il y a mon frère qui est malade à l'intérieur. Vous pouvez nous aider, s'il vous plaît. C'est pas mon voisin? Oui, s'il vous plaît. Il y a quoi? On n'a pas trouvé de Zim depuis. Amenez-le, comment tu. Amenez-le, on va l'amener à l'hôpital. Il a quoi? Merci, tonton. Qu'est-ce qu'il a? Dieu merci, tu vas mieux maintenant. Vas-y, faut t'asseoir. Ah, tante, merci. Voisin, il faut lui faire manger. Il faut lui faire manger. Voisin, il veut te faire manger, on va manger, d'accord? Il faut lui faire manger. Il faut lui faire la pâte. Il ne faut pas mettre beaucoup de piment dedans. Hein. Merci d'accord? Voisin, ça va pas dire, d'accord? Ma chérie. Ça va pas dire. Merci, tante. Il faut ma chérie, tu as où? Il faut apprendre un peu de billets, non? Si tu n'étais pas là. Vas-y. Si tu as un gars, on va commander la bière. Merci beaucoup, Anta. Mais ma chérie, pourquoi tu as laissé le monsieur qui est à côté de vous là et c'est moi qui suis jusqu'à Porte Novo, tu as appelé pour venir? Hein? Ma tu tante. Veux le dire? Ou bien? Ma tante. C'est pas moi. C'est mon mari. C'est lui. C'est votre neveu, c'est lui. Il m'a refusé de faire ami avec le voisin. Je ne parle à personne. Ah. Même mon oncle vient ici, là. C'est tout fait la même chose. Je ne peux pas recevoir de la famille, je ne peux pas recevoir des amis. Et je ne peux même pas discuter avec le voisin dans la maison. Mon cousin. C'est ce qu'il me attends, fait. Attends. Qu'est-ce qui te fait mal? Pourquoi tu as refusé à ta femme de parler avec moi? Oui, mais la pâte que je demande à manger, là. Et on vient nous, c'est quoi? On est des amis, on est des voisins, non? Comment il va te refuser? Ils sont souvent en rien, on cause ensemble, non? Et il m'a dit que toi là, que c'est comme ça, que même dans ta famille là, c'est comme ça, tu es toujours. Qu'il y a des Gwentin. Kofi, tu sais, dans la vie là, c'est l'homme qui aide l'homme. Béton, je n'ai aidé Béton. Tu vois, tu es tombé maintenant. S'il n'était pas là pour nous aider, on allait faire comment? Hein? On allait faire comment? Voisin, merci beaucoup. Non, on est des voisins. La vie là, c'est pas compliqué. Maman, voisin, je vais te donner la leçon. Tu as donné la leçon, non? Merci beaucoup. Non, on est ensemble. Maintenant, là, il faut commander la bière, on va boire. On va bien boire. Madame, il faut lui faire manger, on va manger. La sauce, là, il ne faut pas mettre beaucoup de piment. Hein.